Nous sommes heureux de vous annoncer que votre dossier est juste et parfait. S'il est l'un des derniers candidats à s'être déclaré à l'élection présidentielle du 26 août prochain, Ali Bongo Ondimba a, au pas de course, rempli toutes les formalités. Il est à ce jour le premier candidat à avoir officiellement déposé son dossier de candidature au Centre Gabonais des électeurs. Toujours accompagné par son armée de soutien, le président sortant a brandi fièrement son récépissé de dépôt de candidature au cœur du rond-point de la démocratie, tout un symbole, celui de l'expression du pouvoir par le peuple et pour le peuple. J'ai été ce matin déposer notre dossier ici. Et il a été accepté. Après avoir vérifié pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce, tout était complet. Comme preuve, j'ai ce document. On m'a dit que nous étions les premiers à avoir donné notre dossier. Je vois ça comme un signe. C'est un signe que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes les premiers à avoir donné. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, annoncé sa candidature, puis été investi par son parti, le candidat de la majorité républicaine pour l'émergence a rempli les dernières formalités ce 11 juillet, date initialement retenue pour la fin des enregistrements des candidatures et prorogée pour permettre aux retardataires désireux de se lancer dans la course à la présidentielle de se conformer. Bombay, 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 Bomb